Hey, salut à tous, c'est Uzo. On se retrouve aujourd'hui pour la chasse de Rouge-Neige. Donc, il se retrouve ici au niveau de la map. Et c'est parti, on va partir à cette chasse fort dénouée. C'est la chasse quoi. On va voir s'il est vraiment utile ce loup. Dans tous les cas, on verra bien. Et j'espère qu'elle va pas être trop difficile. Sachant qu'on a fait l'ours et le dent de sabre. On n'a pas trop galéré. Maintenant, les loups. C'est casse-couille. Là, je vais prendre mon nounours parce que mon nounours, je l'adore. Alors là, je le préfère vachement mieux niveau attaque. Ok, donc c'est... J'avais bien dit, les loups, c'est chiant. Les loups c'est casse-couille, c'est méchant. Tu vois, sur l'aspect tu te dis putain c'est trop mignon un loup. Mais un loup serait capable de vous bouffer en 2 secondes. Vous voyez un loup dans la forêt et tout ça, moi je dis faites attention. Ouh, ils ont quasiment carrément tué un ours. Ah ouais, ils l'ont pas épargné. Hop là, petit plongeon. Mais bon. On se lave comme ça. Putain, mais vous, je vous ai dit déjà de lâcher mes terres de chasse. Vous chassez la même chose que moi, et on va pas être amis là. Par contre, c'est hyper fragile un loup. T'as une petite flèche dans la tête. Ah, ça l'a calmé direct. Comme quand tu tapes ton chien un coup de sandale, tu sais, quand il fait une bêtise ou un truc comme ça. Je préviens, je ne martyrise pas mon chien. Mais quand tu punis ton chien avec un coup de sandale, ça fait pareil. Il a pris un coup de claquette là. Ouh. Magnifique plongeon. En plus, je fais ce hors-série juste après avoir défoncé les Izzy là, et du coup... Du coup, j'ai plus beaucoup de munitions, ou quoi que ce soit. Ça va être assez chaud. Bon, je pense pas qu'on soit short, mais... On va essayer de conserver le maximum de munitions. Hop là. Donc, hop là, il est où ce loup? Il est là. Ok, il a défoncé carrément tous les camps des Izzy là. Ouais, c'est sûr, c'est des Izzy là, c'est pas des Wanja. Bah, tiens, en parlant de ne pas avoir refait un stock, je refais un petit stock rapido. Tu vois. Quand je vois ça, tu vois, je me dis, c'est récupérable. À mort. Non, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit? Pister les... Ah putain, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Bon, bah, on va partir vers le... vers là, là. On verra bien. Ou quoique, un partout vers les pistes. Il m'a parlé d'une rivière. Je pense que ça va être par la rivière. Continuer vers la rivière, donc ça va être par là. Pas obligatoirement, mais qu'est-ce que tu me veux, Izzy là? J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose ici. Putain. Ah, si, quoique. Je parle peut-être trop vite, tu vois. Il y a déjà un piège ici. On va activer. Il
Les tortues qui ont peur. Bon, ça veut tout dire là. Ah ouais, il l'a pas épargné. Vas-y, on y va. On va le défoncer. Ouh. Ah bah ouais, bah je crois qu'il n'y a pas besoin de piège. On le poursuit. On le poursuit. Ah! Ah, il m'a rattrapé cet enculé. Ah, je crois qu'on pouvait le... Ah ouais, merde. Vous déterminez la chasse du maître des loups pour... Oh putain. Ah, c'est un chef de meute. Ah, c'est pas Rouge-Neige, j'ai eu peur. Bon, allez, on se casse. Allez hop, ah c'était un maître, putain j'ai dit putain j'ai pas réussi à le... J'ai défoncé trop rapide et tout, non c'était un fake. Nay Nay. Eh ben y'a pas Nay Nay. Je m'appelle Uzo, tu vois, Uzo Tsuki et je sache le Rouge Neige. Alors perso c'est pas là je crois, objectif en cours. Cours, chasse au Rouge-Neige. Ouais, bah en fait, je me semble trompé. Ah ouais, il m'a. Le serpent m'a fait mal. Putain, quand même, que le loup il m'a attrapé la jambe. J'ai pas compris là. J'ai dit, putain, il attrape les jambes quoi. C'est rare que j'ai affronté des meutes de loups et là franchement c'est sympa. Même en ayant terminé le jeu, bah on est toujours surpris par ce qu'on proposait Ubisoft dans ce jeu. Et bah on va profiter un peu de marché et tout ça, mais franchement, laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout le let's play. Je pense qu'il y a des choses à dire. Moi franchement je trouvais que ce jeu il était vraiment innovant. Pas forcément innovant dans le sens où ça reste le même gameplay que Far Cry, mais même si on part un peu dans le même préhistoire, ça reste le même gameplay, c'est-à-dire que il y a toujours le grappin. Les armes à distance, le système de combat rapproché a été changé du coup. On n'avait pas ce système là. Mais franchement voilà, il y a eu plein d'innovations, plein d'idées de gameplay qui ont été gardées. Et franchement voilà, c'était un kiff de faire Far Cry Primal. Et j'espère que les prochains Far Cry seront encore meilleurs. Ouais, pourquoi... Ok, ok, ok. Ok. Préparer des pièges et chercher le chef de la meute de loup Rouge Neige. Ok. Ils vont pas tarder à arriver donc, du coup, on va préparer les pièges. Ouais, du coup, ouais, franchement, j'espère que le prochain Far Cry sera encore plus innovant. Et j'espère qu'ils vont pas se dire bon on reste encore dans la préhistoire. Non ça, franchement rester encore dans la préhistoire sera encore une erreur. Ouais, qu'ils repartent peut-être dans un autre chose. Moi je dis époque coloniale, ce serait pas mal. Bon là on fera un peu comme Assassin's Creed, mais franchement l'époque coloniale ce serait franchement pas mal. Il y aurait de quoi faire. Ok, le chef de meute c'est lui. Vas-y. Allez, on le poursuit. On va pas se laisser partir.
Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Ah ouais, en fait il est devenu mon ennemi quoi. Truc de ouf. Je savais pas que ça pouvait arriver. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Battez les trois chefs de mode qui tourmentent Euros. Rouge neige, d'accord. Mais du coup c'est qui, c'est quoi qui est important? Loup, rouge neige. Ah on peut l'adopter, d'accord. Et du coup j'ai enlevé mon ours. Ok, c'est parfait. Il se met de la, je sais pas, de la, d'un peu une sorte de boue sur la peau. C'est assez chelou. Bon, le prochain rouge neige, j'espère que je vais réussir à l'avoir sans le tuer. Du coup on va utiliser nos appâts. Franchement ce serait pas mal d'avoir un loup rouge neige. On aura un petit peu comme ça les principales bêtes à chasser quoi. Après il manquera plus que le mammouth à tuer. Bon, je suppose qu'on peut pas l'adopter le mammouth. On est obligé de le buter. Et voilà quoi, on aura fini nos hors-série je pense. Franchement, voilà, les bêtes comme ça, les blaireaux et tout ça, franchement je pourrais m'amuser à aller chercher, mais ils nous ont pas vraiment été très, très utiles dans l'aventure, donc ça, franchement je vois pas l'intérêt de les chasser. Mais je pense que les trois principales, franchement, oui là ça vaut le coup de les avoir, pour au moins avoir le mérite et avoir au moins le petit trophée Ubisoft disant qu'on l'a capturé quoi. Ça franchement oui, là je suis d'accord, ça sert à quelque chose, mais les autres, ça sert pas trop à rien. Hop. Donc le dernier. Ok. Donc là. Ouais, la quête du loup est différente là. Franchement, c'est... j'ai plus l'impression que c'est l'extermination de loup qu'autre chose. Qu'est-ce que tu veux toi? Hop. Le mec il se promène tout seul. Attends. Ouais, je laisse pas se promener tout seul hein. Tu crois quoi là? Bonjour les loups. Ah putain! Excuse-moi l'ami. Mais tu m'as attaqué en premier. Donc je suis bien obligé de vous défoncer les gars. Effectivement, je pense que... la dernière solution, c'est de faire ça. Ok. Ok, ok. Alors, où es-tu, chef des Rouges-Neiges? Ta mort furlante. Ok, on approche quand même de la tanière. C'est bon à savoir. Ok, ok. Ok, c'est cool. Ouais mais ils croient qu'ils vont m'arrêter juste en braillant. On va le chasser. Ok.
Oh. Oh putain. Mais lâchez-moi, putain de merde. Ah ouais, par contre là ils vont au fond extrêmement mal du coup. Y'a là, y'a là. Allez, je t'apprivoise. Allez, voilà, on a un beau loup maintenant. Voilà, un bon chien comme dit Ubisoft. Ah putain, par contre ça c'est tellement gore. Hop là. Tellement beau ce loup. Enfin tellement beau, et bien rouge ouais. Rouge neige, tu portes bien ton nom. Et voilà, c'était Uzo pour la chasse des rouges. La chasse des rouges neiges. On se retrouve pour un autre épisode et d'autres let's play.